Bonsoir et bienvenue pour nous prendre un nouveau sport. Pareil à l'habitude, un nouveau sport national pour commencer. C'est Jean Koumarasamy, Savio Larry et Jimmy Reynal qui m'ont grand vainqueur première compétition IFBB International Grand Prix Seychelles qui ne fait hier soir à l'hôtel Jaya Bouvalon Beach. Les trois athlètes, Tiffany Meyer en général dans cette catégorie et parmi les autres récompenses, Tiffany Improcard qui veut dire sens pour autres commencer carrière professionnelle dans sa sports. Aujourd'hui, nous emmenons un reportage sur la compétition Fit Model pour bonnes femmes, Men's Physique et Men's Classic Bodybuilding. Dans la compétition IFBB International Grand Prix, il y a seulement 4 athlètes sortis de CCL. En tout, il y a 9 catégories dans la compétition. Premier pour en action, il y a une femme, et là, les autres participent dans la catégorie Fit Model qui tient seulement 2 athlètes. Saï Kazak Ina Sindaleva et Cécelois Shirin Azemia. Pour tous les deux, ça partit nouveau pour vous autres. Mais Shirin, ça a été son premier compétition internationale. Premier le stage, c'est Ina Sindaleva. La façon qui sa Kazak amène son école au stage et aussi avec son postier, tu donnes lui un petit avantage, le Shirin. Et avec ça, ça a été Kazak, tu finis vainqueur de sa catégorie. Petitionnel, bien. Je présente Cécile. Je suis satisfait, mais il y a quelque chose à aller. Il y a une grande expérience. Je compte avec un participant qui est international. Je apprends beaucoup de choses. Oui, une grande expérience. On va venir encore, oui. Mais il y a quelque chose à aller. Pour cette catégorie qui te suivent, c'est Junior Men's Physique. Pour un athlète entre 16 ans et 21 ans. Dommage, dans cette catégorie, il y a seulement un compétiteur sorti de CCL. Saï Elix Rapide, âgé 20 ans. Pour Elix, Saï son premier compétition internationale et il dit qu'il commence son préparation à peu près 3 semaines passées. Vu qu'il est le seul participant de cette catégorie, ça tient à Sili comme vainqueur. Pour moi, compétitionnel, vraiment bien. Oui. Unfortunately, il y a beaucoup de compétiteurs dans mon catégorie aussi. Et tu peux plus bon si tu en as plus. Et c'est mon à part de ça, on a vraiment bien. Tout quelque chose, l'organisation, tout l'événement, c'est vraiment bien. Ça est actuellement mon deuxième compétition. Ça est mon premier international competition. Moi, l'inal, pour moi, l'inal bien aussi. Pour mon première fois aussi, et bon compétiteur plus haut niveau que moi l'inal plus bon aussi. Dans l'autre, l'étape Men's Classic Bodybuilding, 1m80, qui veut dire que c'est un bodybuilder, tu mérites un hauteur qui n'a pas de saute 1m80, tu aussi en as seulement un athlète. Ça, c'est Mauricien Jérémy Genave. L'effet que Genave, tu lui aussi seul athlète dans son catégorie, tu aussi garantis lui comment vainqueur. Men's Classic Physique, catégorie Open, tu suives. Et encore là, tu en as seulement un athlète qui, encore une fois, sorti Maurice. Ça et Jean Koumarasamy. Pareillement, lui aussi, il y a 6 vainqueurs dans son catégorie. Dans Men's Classic Physique, par en bas 174 cm, veut dire par en bas 1m74, nous avons athlète mauricien Mathieu Legalan, Pédébouteau-Bord Cécilois Savio Larry. Là, ça des bodybuilder qui besoin faire bonne pause mandatoire pour bonne zise capable. Faire autres comparaisons. La bonne zise, tu disais, et tu satisfais qui savio, tu ne plus bien conditionné et fait qu'il sorti vainqueur de sa catégorie. Moi, chaque content, si mon moment est là aujourd'hui, quand mon arrivé aujourd'hui, il y a un gros accomplissement pour moi à cause de quelque chose qui nous a tourné la guerre pour faire. Et je connais tout ça qui fait compétition de bodybuilding. Et puis, c'est son mieux pour un Pro 4. Donc, so, aujourd'hui, je fais mais seulement, je suis bâtiment respecté. Mais seulement, je remercie Benjamin King là derrière moi. Et Benjamin King pousse moi. Depuis le commencement jusqu'à la finition. Et je pense que je give up.
moi expecté quelquefois m'a gagné un peu plus si pour si y en a si pour pas derrière nous et nous qu'a fait beaucoup premier que ça mais ya c'est tout à cause bodybuilding about plus sponsor si nous gars sponsor nous qu'a code nous qu'a make it code nous aller so quelquefois après qu'a dû faire un rapport pour moi quelquefois qu'a fait mon peut gagner un peu plus sponsor pour moi qu'a arrivé un niveau encore plus haut dans les fichiers mais seulement on nous commence et nous bonnes avant à quoi il y en a beaucoup zin qui intéressé dans sport et mon Simon encore à zone mais seulement this dis autre pas give up c'est tout yeah. Et comment récompense Savio tu gagne lui un pro card qui veut dire il vient un bodybuilder professionnel. Et demain, nous prenons un autre reportage sur les autres catégories de sa compétition IFBB International Grand Prix Seychelles. Nous continuons un nouveau sport avec football. L'équipe prend l'Inois Côte d'Or. Ils prennent une autre première victoire de la Ligue sa saison. Ça après qu'ils ont battu Saint-Michel 1-0 dans un match hier Stade Amitié. Ça a aussi deuxième défaite pour sa équipe basée en Sopin dans la Ligue sa saison. Côte d'Or est entré dans sa match et qui pour autres ouvre dans autres premières victoires et qui prend autres seulement seconde pour autres ouvre score en travers Malgasa Joe Elson. Après ça, sa l'équipe pralinois qui continue à pousser dans 11e minute, Zodrata Essence pour faire score venant de 0. Les qui shot Joelson il gagne à bloquer par défenseur Saint-Michel. Après ça, c'est l'équipe Saint-Michel qui domine un peu quelque chose. La 19e minute, la tête Malgasa Francis il finit dehors. Saint-Michel il continue à pousser pour se trouver dans sa goal égalisation. 26e minute, tiennant un zo 18 de la passe à l'équipe, sorti en soupin, mais passe en elle confiance à Patiwa Philo. Saint-Michel a tiré un autre sens pour autres remettre quelque chose égal de 36e minute, mais shot en elle confiance et gagne à bloquer par défenseur Côte d'Or. L'équipe Côte d'Or fait 6 autres rester bien de défense. De l'autre côté, Saint-Michel Zot continue à attaquer de 40e minute. Imram Iwa son laissé gagner bloqué par défenseur Côte d'Or. S'il n'a pas encore action entre sa de l'équipe, score est resté 1-0 de faveur Côte d'Or après 45 minutes à jouer. La deuxième la moitié, quelque chose est un peu tranquille entre sa de l'équipe, mais tout de même, c'est Côte d'Or qui prend un léger domination. Quelque chose pour sans complètement pour l'équipe Côte d'Or. Les qui Laurent Marie, il gagne un 4 rouge de 72e minute, qui fait Côte d'Or, tu besoin jouer avec seulement 10 joueurs. Mais ça partit à là pour longtemps, parce que 4 minutes plus tard, goalkeeper Alvin Michel, tu gagne un 4 rouge pour faute le Malgasse Joe Albert de Milliers-la-Plaine. La rentrée Raj Anakwa amène un peu changement de l'attaque à Saint-Michel de 84e minute. Son shot y passe à Zis au bord poteau. Tu n'as pas goal de sa deuxième la moitié qui fait Côte d'Or y remporte sa match 1-0. Quand ils ont une parfaite un montée descend, ça le football il fait nous troisième match qui nous joue. C'est moi ils ont une resté consistant au cas où à 39 secondes nous gagnons nos premiers goals, mais après nous resté au la longue de yeboul, il normal c'est mis c'est l'automatique qui vient de nous. C'est moi par contre aussi nous bonne sauce qui nous faire les vinde. Next match moi quoi contre la passe semaine prochaine, un rival pour encore qui vraiment difficile. C'est un balai la semaine, un travail pour nous, c'est continuer avec sa winning mentality. Pour perdre ça, match aujourd'hui, c'est vraiment désappointant parce que nous avons monté tout pour nous gagner sa game et nous avons bien préparé pendant la semaine. Et par contre, c'est football, nous allons retourner dans le jeu de board qui est nous faire qui mal. Et seulement, nous perdons un game de 30 secondes de football commencé. Si nous avons quelques petits problèmes par là, nous avons besoin de l'aider. Et nous avons besoin de nous exercer contre Bazar. Si nous avons pour sa saison, c'est nous avons envie de gagner la Coupe Ligue. Mais pour nous gagner la Coupe Ligue, il faut que nous ne perdions aucun match encore.
Et sauf, nous avons besoin de recommencer nos saisons, bah, Zedi. Saison, nous avons besoin de jouer, il besoin de commencer la Zedi, pas perdre. Si nous avons 6 épisodes, Mathieu, merci pour suivre et passe et bon la semaine.